c'est là. C'est là. Chérie. Oui. Toi aussi, réveille toi. Tu as trop dormi. Où est-ce que tu es malade? Je suis fatigué. Hein? Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Je vais faire mon travail. D'accord. D'accord, je suis au dehors. D'accord. Tu as préparé la table? Oui, le déjeuner c'est déjà prêt. Regarde comment tu as mis la table. Hein? Toi, à chaque fois, il faut t'apprendre. C'est comme ça on met la table. Hein? Tu as envoyé de l'eau? Non, madame. Bois ma minute. Tous les jours, il faut la prendre. Tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. Prochainement, tu fais comme ça. Tu as vu comment j'ai fait? Oui, madame. Demain, tu prends, tu mets en moule. Madame, je vais te gêner. Oh, ça part, regarde. Parce que c'est là, c'est là. Ça finit de se chercher. C'est maintenant que tu es sur les chaises. Non, il y avait déjà ici. Tu as pleuré ici encore. Djouma. Madame. Fais vite, tu as trop de travail à faire aujourd'hui. Madame, c'est fini. Tu as fini? Oui. Ramène le couteau. D'accord. Tu nettoies la cuisine là aujourd'hui. Tout de suite, madame. Il y a quelque chose qui sent là-bas. Comme c'est là, je t'attends. Je vais le regarder. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Trop désordonné. Créer sur Djouma, c'est comme ça, chérie. Djouma est trop bête, vraiment. Non, il n'est pas bête. Finalement, maman, il va changer Djouma. On ne peut pas le changer. Djouma est là depuis combien de temps? Ah, moi aussi, il ne comprend pas, il va aller. Il faut faire vite là, moi je suis pressé. Oui. Je suis en retard comme ça. Tu n'as pas fini ton café? Non, ça va. Yuma! Bon, moi je vais aller. Yuma! Amène le sac. Je l'ai mis dans la voiture. Ah, d'accord. Ma chérie. Oui. Bonne journée. D'accord, bonne journée. Yuma! Madame, on va ouvrir la porte. Frère, tu viens arranger ici, hein? D'accord, madame. Je vais me préparer, je vais aller au marché. Ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va? Ça va, merci. Va bien? Ça va. Tu as bien passé la journée? Oui, j'ai bien passé. Eh, Djouma, patron, envoie-moi le sac. Patron, il faut le rappeler tout ça. Je sais que c'est moi qui viens. Beaucoup chez vous. Moi, je suis même allumée. Vraiment. Mais pourtant, il y a le médicament ici. J'ai pris les médicaments le matin, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Chérie, on dirait que tu ne suis pas là. Laisse-moi enlever ça. C'est même pas cool. Tant que tu n'appelles pas deux fois, il ne vient pas. Madame, patron, bonsoir. Ça va? Ça va. Yuma, fais rentrer les soucis avec toi. Attends, je vais enlever ça aussi. Maman, Yuma, si tu dis d'allumer le moteur. Je vais envoyer ça aussi, madame. Oui, oui. Patron. Tu grossis dans les jeux, ça va? Tu te souviens de moi? Je prends le dossier. Il fait chaud là. C'est Yuma, je lui ai donné l'argent depuis le matin d'aller payer l'essence pour allumer le groupe. Il n'a pas fait. Oh, moi je vais aller dehors. Ah, vraiment, il fait trop chaud. Yuma! Yuma! Pardon! Amène les repose-pieds. Et regarde le couloir avant, les déposer. Affaire de Djouma là, vraiment, c'est sérieux. Il faut réciter tout, on dirait un enfant. Patron, oui. J'ai été à la station aujourd'hui, j'ai dû quitter l'essence. Ah, c'est chanté. On n'a pas dit que tu n'as pas été. Tu vois. On a dit combien? Tu peux tuer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est 500? Ah, ben. Il a dit de laisser à l'homme 500, il ne va pas mourir. C'est pas ça. Dis-moi là, vraiment, toi là. Toi là, il est devenu fainéant. Il s'est publicité encore l'essence pour donner le monnaie à ta copine. Patron, c'est pas ça. C'est ça. Mais il faut continuer. J'ai dit qu'on va changer de monde, tu ne vas pas quitter ici. Nana! Nana! Oui, chérie. Oui. Madame, oui, ça va. Ça va. Amène-le. Tout de suite. Okay. Ah, je ne voulais pas. Tu m'as manqué. Ça va? Tu sais, avec le programme de mon ami là, c'est pour ça que je suis sorti aujourd'hui. Ah, tu m'avais dit ça là. Voilà. Tu m'avais dit ça là. Exactement. Ah. Mais Djouma aussi n'a pas de vie. C'est toi qui parles à cause de Djouma. Maintenant, tu vois ce qu'il fait. Djouma, patron. Non. Regarde comment il parle les choses. Le jour que tu vas casser une assiette, tu vas payer. Eh, madame, moi je vais prendre ça. Donne ça ici, donne ça. Viens envoyer le madame. Eh, c'est toi qui vas. Ça va, ça va. Avec l'homme, on a vu ça, il est en train de nous tuer avec ça. Il va pas nous appeler. Madame, c'est salut, je sais préparer. On a que celui qui a préparé. On l'a eu. C'est comme ça, c'est du chaque jour. Con. Ah oui, mais dis donc, c'est dur. Comme ça, je vais passer contre ça. Mais tu es avec ma femme comme ça ou bien? Oui. Ah, mais c'est ta femme? Tu dois te loyer? Ou bien? Moi, j'ai pas le problème. Je peux me loyer. Ça va bien? Ça va. Et la santé? Ça va bien? Ça va, merci. Et ta femme? Oui, elle va très bien. Là, ils vont très bien. Djouma! En attendant. Envoie une chaise. Une chaise, madame. Ça va? Merci. Oui, elle va très bien. Ça va ici? Tu amènes une cuillère. Tu viens de rentrer comme ça? Oui, je viens de rentrer. Pas manger en même temps. Ah oui, non, manger en ça. Il a qu'à envoyer la cuillère pour nous là. Chaque fois, toi, si là, c'est comme ça, tu viens, tu ne vas même pas te reposer, tu commences à manger. Il s'est reposé, il est venu tôt aujourd'hui. Patron, il faut donner ça à ton patron. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Allez voir ça ici. Tu m'avais dit d'envoyer une cuillère, patron. Et qui devant moi? Un jour comme lui. Le problème de Djouma, moi j'en ai mal. Il faut le changer, hein? Enfin, tiens, avec le soir là, ça c'est une douleur. Mais tu sais que moi je sais préparer. Comme ma femme Boutou. Mais c'est le gros, donne-moi ça. Oh, patron, je suis dans la cuisine. D'accord. Et tu veux, tu sois au dehors. Il ne veut pas manger. Madame, toi, tu sais préparer quoi? Moi, je vais préparer mon mari. Très bien préparé. Ma femme aussi. Si elle prépare, surtout Gontella, non, tu manges ça, tu ne vas pas la laisser. Ah, la soeur, je n'ai pas dit ça. L'oppa, je ne t'ai pas dit ça. Quand je lui étais malade, je suis partie là-bas. Ta femme a bien préparé ce jour. Non. Qu'est-ce que ça va? Tu ne manges pas? Ça va, ça va. Ça va. Moi, je suis là sérieux comme ça. Vraiment, je remercie ma femme. Ça va? Ça va.